tout cas, merci les mecs de m'avoir emmené en Islande. C'est vraiment une destination agréable pour se détendre, pour décompresser. Swag. Vraiment bien. Il est trop mignon. Mignon, mignon. Pas mal. L'eau est à 80-100 degrés. Nickel. On peut faire des pâtes. Alors, le principe des geysers, c'est qu'en fait, il y a un amas de pression pendant plusieurs minutes et tout d'un coup. Caméra mouillée. C'est parti pour une session automobile tout terrain. Ouais. C'est par là-bas. Ok, c'est par là-bas. Ici, il y a deux cascades d'eau qui sont très connues. D'abord, il y a celle-ci. Et puis, il y a celle-ci. Elle est encore plus sauvage et farouche que les chutes du Niagara. Faut aimer, c'est un style de cascade, faut aimer, moi j'aime beaucoup. Ici, il y a une légende, et ça c'est très sérieux, il paraît qu'il y a des trolls qui habitent les montagnes et qui sortent depuis des siècles et des siècles la nuit pour venir marquer leur territoire en faisant des petits tas de cailloux comme celui-ci. Hop. Et faire peur aux enfants. Et la légende raconte également que les plaques de verglas retrouvées comme celui-ci seraient de l'urine de trolls congelés pendant la nuit. Qu'il faut lécher pour soigner les maladies. Ah voilà. Depuis quelques années, le prix de l'immobilier a complètement chuté ici. Donc c'est intéressant d'investir, par exemple, dans un mètre carré. Ouais, super! C'est le pays le plus chelou du monde. T'es en vêtements de ski sous la pluie. En même temps, dans deux secondes, on va se baigner à poil dehors dans un lagon bleu. J'ai pas de slip. Pas de slip. J'ai pas pris de slip. Ils louent des slips? Ouais, je crois. Swag? Pas vraiment swag. Le Blue Lagoon, c'est maintenant terminé. On a une peau homogène et riche en oligo-éléments. J'essaie d'obtenir la boule la plus parfaite du monde. Y'a un problème, ils ont conçu les gants pour une tortue ninja, je crois. Il manque des doigts, c'est pas pour les humains, ça, hein. Putain, on n'est pas les tortues, merde. Je suis Donatello. L'accoutrement est plutôt improbable par rapport à la situation. Et bien, vous avez raison. Vous allez voir que cette eau, c'est l'eau la plus pure du monde. C'est filtré par le volcan. Donc là, j'ai une petite coiffe. Vous venez. Maintenant, je sais ce que ressentait le commandant Cousteau. Je sais. Waouh, c'était énorme. C'était quoi, le cratère? Bah non, le banc. Et donc, amis, est-ce que vous savez qu'ici en Islande, au pays des Vikings, ils sont tellement peu nombreux, environ 300 000 habitants, que les jeunes couples sont obligés de vérifier sur un site internet pour voir s'ils n'ont pas un lien de parenté. Ça s'appelle Islandegabok. Parce que sinon, ils feraient des bébés, si tu veux, un peu chelou. Je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un de ma famille en Islande.
On part à Tokyo la semaine prochaine. À bientôt.